Bonjour mes chéris. Alors, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai découvert une véritable passion pour la vidéo. Ça me fait énormément de plaisir de faire les vidéos, même si des fois je me bagarre techniquement et que je n'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais comme j'aimerais. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'avais très envie, cette vidéo me tenait beaucoup, beaucoup à cœur, de vous montrer le marché d'Améchial de Noël avec le superbe stand qu'avait fait Chrissa avec toute sa passion, tout son cœur. Elle a eu quand même pas mal de succès, mais la technique n'a pas voulu. John et moi voulions vous présenter Patrick et Petra lors du marché. Vous allez à peine les voir. Ce sont des personnes qui font également une chaîne sur YouTube en anglais. C'est le couple qui est juste à côté de Coquelicot. Je vous en avais parlé brièvement. Je vous reparlerai sûrement d'eux. Bien sûr, c'est un petit peu difficile parce qu'ils parlent en anglais. Mais ce sont des personnes extrêmement adorables et j'avais envie de vous les mettre sur la chaîne. Il y a beaucoup de morceaux qui n'ont pas voulu. Pourquoi ? Alors là, je n'en sais rien techniquement. Pourquoi des fois ? Enfin bref, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je vais même pas faire une dissertation là-dessus. Je suis très déçue. Cependant, ça reste une journée très 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 belle, vraiment belle à tout point de vue. J'ai passé une merveilleuse journée et j'avais envie vraiment de vous la partager. Je vais vous la partager avec tous les gens, vraiment des gens super qui ont animé et enrichi cette journée. Mais pardon, pardon par avance, la technique n'a pas suivi et je suis la première déçue. Je vous lance tout de suite la journée du marché, des rencontres des abonnés, une magnifique journée. Oula, il y a déjà beaucoup de choses devant chez Chrissa. Le caddie est plein. Bon, moi j'avais amené ma table aussi, parce que maintenant Chrissa a besoin de deux tables. Sa chaise pour qu'elle puisse se reposer, bien évidemment. Et notre Chrissa, elle est où? Oh là là! Qui tousse. Et puis, heureusement que je tousse et bonjour! Heureusement que je tousse maintenant parce que ça me fait penser d'amener des bonbons eucalyptus! Ça fait super du bien! Ouais. Allez, on va y aller! Ah, mais voilà. Bon, tant pis! Attends! C'est pas perdu pour tout le monde! Je vais le garder pour moi parce que le rhume n'est pas encore bien parti! Bonjour, mon Titi! Ça va? Oh là là, parce qu'il a compris qu'il va rester tout seul. Ouais, je crains, c'est ça, oui. Allez. Santé. Le café, tout, le sourire. Bah oui. C'est parfait, ma petite chérie. J'aime beaucoup le avant-marché, de voir l'installation. Oh là là, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Oh là 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 là, oui, très joli. Et même des pantalons. Ça m'irait bien, ça, par contre, toutes ces tailles-là. J'aime bien comme tout le monde commence à s'agiter. Nous n'en avons pas du tout parlé avec Chrissa, mais comme là c'est le marché de Noël, il y a beaucoup plus de monde, peut-être
qu'il y aura un contrôle, je ne sais pas. J'espère que non, en tout cas, parce que ce serait quand même bien embêtant. Donc, contrairement à ce que certaines personnes ont dit dans leurs vidéos, oui, même les villages qui ont l'air, on va dire, inhabités ou sans action, sans activité, je ne me souviens même pas de ce qui a été dit comme chose très négative, eh ben oui, il y a de l'activité, il y a de l'animation. Mais bon, peut-être qu'il faut se contenter de peu de choses pour être heureux. Peut-être que les personnes très compliquées veulent plus, toujours, autrement. Nous, en tout cas, bon dia, ça nous suffit. On est au cœur des personnes. Je ne me sens pas du tout touriste, puisque ça fait déjà un petit moment. Et on est bien installé dans cette vie. J'ai beaucoup, beaucoup de tendresse et beaucoup de, je sais pas, de sympathie pour toutes ces personnes. Buen día. Donc, il faut venir à Améchial. C'est très, très beau. Ah. Ah, oui. Tout le monde n'est pas installé. Il y a déjà pas mal de stands. Effectivement, il y a beaucoup plus de stands que l'autre fois. Il n'y a rien pour l'instant de spécifique à Noël. Mais je vais continuer. Donc là, je suis partie dans un sens. Et après, il y a pareil dans l'autre sens. Là, un monsieur installe des chaussures, beaucoup de chaussures. Buen día. Ah, jolies chaussures. Pour monsieur, pour señor. Ah, pour femme aussi, oui, parce qu'en 38, elles sont pas mal celles-là, waouh. Pour le trekking, par contre, ne me demandez pas les prix, il n'y a pas les prix. Non, il n'y a pas les prix. Ouh, là, on sent le vrai cuir. Hein. Là, d'autres vêtements encore. Là, c'est vraiment monsieur. Monsieur. Des blousons assez chauds. Là, on a des trois quarts manteaux. Ah oui, pour madame. Pour madame. Buen día. Oui, je fais la publicité de Améchial. Là, nous arrivons vers chez Maria, bien évidemment. Maintenant, tu connais à force de nous suivre de partout. Buen día. Alors ça, c'est ce que... Ah bah oui, voilà, c'est exactement ce que je me suis acheté l'autre fois. Ah, ici, ils ne les vendent pas le même prix, normal, ils veulent se faire une commission. Mais par contre, ça, c'est très très pratique, c'est léger, c'est en aluminium. Pour la vie nomade, pensez-y. Alors oui, il faut une manique parce que là, ça chauffe. Mais très pratique. Hein. Bon, moi, je m'en fiche parce que j'ai toujours une chiffonnette à côté, hein, bien sûr, de l'évier, tout ça. Donc, c'est bien pratique. Buen día, señor. Beaucoup, beaucoup de choses. Oh là là, oui, des belles choses encore. Ouh. Ça fait bien envie.
Bon, bah là, bien sûr, en plastique, c'est toujours hyper, hyper pratique dans nos maisons à roulettes. Mais voyez, on peut trouver de tout, hein, même quand on est à l'étranger, hein. Là, vraiment, il y a le choix. Hein. Là, il y a vraiment de tout. Et en face, on a des jouets pour enfants. Ouh, je vais pas tourner la caméra, parce que sinon, tu vas avoir le soleil en plein dans les yeux. Non, mais c'est pas possible! C'est pas possible! John est toujours là! John est pire qu'une tique! Encore John! C'est pas où est Charlie, là c'est où est John! Hello Marie-Josée! Bonjour! Viene, por favor, viene! Viene, por favor! Un poquito momento, por favor! Parce que les gens de YouTube ne t'ont pas vu sourire à la mairie. Et je veux que les gens de YouTube voient ton sourire. Oh, merci. Voilà, maintenant vous savez tous que Marie-Josée est très très souriante et une belle dame. Au revoir. Ben j'essaie, là ça filme là. Voilà, là c'est parti, non tu veux pas? Alors quelles sont tes impressions alors d'avoir retrouvé certains abonnés? Je suis vraiment très heureuse. Très heureuse, c'est une superbe journée. C'est sûr, tu dis pas ça parce qu'il y a une caméra? Non, les gens qui sont là de toute façon, et tous les abonnés, tous mes chéris, ils savent que non, je joue pas la comédie. Non, elle joue pas la comédie. De toute façon, elle n'a pas l'habitude de la caméra. Elle peut pas l'habituer. Non, mais c'est vrai que ça me fait super plaisir. Et puis en fait, là, il est en train de se passer quelque chose que je suis toujours en train de dire sur YouTube. Quand vous faites des commentaires, je suis contente parce que vous parlez entre vous, noir sur blanc, etc. Et là, j'ai des abonnés en direct, eux. Et ça, ça me fait super plaisir. Parce que moi, j'ai coupé. Tu veux pas recommencer depuis le début? D'ailleurs, on parlait d'un sujet très grave qui nous contrarie beaucoup. Non, ça n'a pas coupé. Ah, c'est, ça continue de filmer. Ça, c'est François qui ne sait pas bien encore non, la ligue. Non. Et on est en train de le former. Ouais, mais j'ai du mal à cadrer. Là, l'écran de contrôle s'éteint pour économiser la batterie. Oui, c'est pour ça. Mais oui, tu me filmes tout le temps. D'accord. Et donc, on parlait quand même d'un sujet grave. Oui. Allez, deux minutes sérieuses. Tu as raison. Parce que Edmond, Cathy, toi, nous ont fait des remarques. Et c'est vrai, encore et encore et encore, on n'insistera jamais assez avec John aussi. Ce n'est pas nous qui supprimons des commentaires. Je ne sais pas de qui ça vient, de quoi ça vient. Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est les paramètres de filtrage? Je ne sais pas, ce n'est pas nous. Vraiment, c'est con parce que j'ai nous fait des demandes en mariage, moi. Ben oui, avec ça, oui. Ouais. Non, c'est pas nous qui coupons. Allez, je reprends attends, la caméra. Attends, je crois que non. Ah, ouais, voilà. Ça, c'est sérieux. Mais voilà, un petit sourire c'est pour la télé française. Ah. Et voilà François, la vedette qui voulait filmer. C'est vraiment une journée magique. C'est sympa. La magie de Noël au Portugal, voilà à quoi elle ressemble. Voilà. N'empêche qu'entre toi et moi, j'espère que jamais on ne s'habituera à cette humanité. Hein, jamais. Jamais. Mais pas les pieds, ouais. Allez, John, on fait tchin alors. Alors, en plus, ouais. Ah putain, quelle lumière pas mal de ma celle-là. Ah bah oui. Ah, oui. Ah là, elle fait du bien. Elle fait chaud, on est en... Ouais. Moi, je rigole parce que... Je viens de recevoir un message comme quoi le faucon de la morue a uploadé une vidéo. J'adore. Comment ne pas être heureuse? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Attends. Donc je redis pour tout le monde, là c'est le petit John, là nous avons François,
qui bave du poulet, mais qui a l'air de se régaler. Là, nous avons Michel qui avait une faim de loup. Là, nous avons Edmond. Ah ouais. Le grand. L'homme bleu. On s'est rapéci un peu avec ça. Et là, nous avons Cathy. Et là, on a mis ouais. Enchanté. Et là, vous avez bah, la folle de service, là, quoi, tout simplement. Oh, attendez, François me dit quelque chose que j'ai oublié. Quelqu'un, Mina. Oh là, bon appétit, Mina. Et là, c'est le retour après le resto. Nous sommes allés chercher Chrissa. On a bu un café tous ensemble. Et ça, c'est le retour à la maison. Et on rentre tranquillement d'une très belle journée. Chrissa, tu dis au revoir à tout le monde. Salut à tous. Tu dis au revoir, Cathy.